Salut à tous. Alors aujourd'hui, c'est curage de la bergerie. On voulait le faire la semaine dernière, mais on a eu du moins 10, moins 12. Donc de 1, on n'a pas pris le risque de le faire parce que les agneaux auraient eu froid étant donné que le fond de la bergerie est en béton. Donc on l'a pas fait. En plus, on était occupé à autre chose vu qu'il gelait dans les champs. Et on n'a pas pu le faire courant de la semaine parce qu'on a eu des barrières de dégel. Bon, là, ça commence à s'aggraver. Comme vous pouvez le voir, les auges débordent le fumier déborde dans les auges. Donc on a pris la décision de curer quand même, uniquement télescopique, et on met le fumier dans le bâtiment à côté, qui était l'ancienne fumière. Donc ce qui fait que au final ça se fait pas mal, mais ça a du travail de fond, on va devoir reprendre le fumier dans les semaines à venir pour l'amener au champ. Voilà, allez, je vous montre tout ça. Alors ça crie un peu, hein, forcément, elles sont séparées de leurs agneaux. Elles ont mangé que le concentré ce matin. Voilà, on a mis tout du même côté de la stabulation. On a parqué les lots, les différents lots, sans les mélanger. Et on a mis les agneaux là-bas, dans le parc à agneaux. Alors on a mis des concentrés dans les auges. Et ensuite, avec Pierre, avec des barrières, pendant que les brebis mangeaient, on a poussé tous les agneaux dans le parc à agneaux. Et ça va rester comme ça jusqu'à temps qu'on ait terminé le grand parc. Et une fois le grand parc terminé, on fera l'inverse, on mettra toutes les brebis dans le grand parc avec des séparations pour toujours pas mélanger les lots. Et on curera le parc dans lequel les brebis sont actuellement. Alors moi ce que je fais, pendant que Pierre cure au télescopique, alors au passage le télescopique c'est un 8043 pardon, bah c'est Ferguson, qui est le télescopique d'un collègue avec qui on travaille, on fait pas mal d'entraide. Donc j'ai pas de télescopique, quand j'ai besoin je loue son télescopique. Voilà, pour la petite anecdote. Et pendant que Pierre cure, moi je fais les côtés au fourchet et je nettoie les auges. C'est parti.
Alors autant il y a 8 jours on avait moins 12 et on se les plaît pas mal, que là aujourd'hui on a 10 degrés et je peux vous dire qu'on se réchauffe. Bon, pendant que Pierre est parti vider un godet, là on est au bout de la stabulation, donc il doit parcourir les 30 mètres de la stabulation et les 30 mètres de la fumière. Je vais vous montrer un petit coup les agneaux en attendant qu'ils reviennent. Alors voilà, on est arrivé à une centaine d'agneaux pour les agnelages que je qualifierais d'agnelages divers, c'est-à-dire du premier lot, le plus gros lot, avec environ 65-70 brebis agnelées. Et il reste pour le lot de printemps qui va débuter là, enfin j'appelle ça lot de printemps parce qu'on a grosso modo deux lots. Pour les agnelages du lot de printemps qui vont débuter dans 8-10 jours, parce que ça, il y en a qui s'apprêtent vraiment fort, on a encore à peu près 30-35 brebis parce qu'il y a quelques retours. Je pense que d'ici mai-juin, entre fin février jusque mai, il y a encore 30-35 brebis agnelés. Allez, je vais vous faire un petit coup les agneaux et ce qu'ils mangent. Alors ici on est dans le parc à agneaux, on appelle ça parc à agneaux, on a fait une petite trappe là-bas au coin, et il n'y a que les agneaux qui peuvent venir se reposer et manger aux nourrisseurs. Voilà. Vous voyez, ils viennent manger là, ils mangent mon fameux PLC. Qu'on mélange avec un petit peu d'avoine pour les plus jeunes. Et un petit peu de tourteau de colza qui me restait, on a dit pourquoi pas, on va le mettre, on va faire un espèce de mash nous-mêmes. Bon, ça commence à faire une jolie petite tribu, hein. Bon, vous allez certainement tous me dire, nourrisseur est vraiment petit pour autant d'agneaux. Bon, je l'avais acheté au début quand j'avais 20-25 brebis, ça allait très bien. Là, on va pas tarder à sevrer, refaire un parc et les agneaux sont directement à l'auge. Donc ils auront largement de quoi manger. Bon, après, ils y mangent pas tous en même temps, il y a encore des agneaux de tout âge qui boivent du lait. Mais c'est vrai que ça commence à faire court. Dans la nouvelle bergerie, on va prévoir un autre système où est-ce que les agneaux auront, je pense, environ 15 à 20 mètres de longueur de nourrisseur. Sortie d'hiver là pour pouvoir se nourrir. Bon, allez, on continue le curage. Bon, première partie, le grand parc, il est curé comme vous voyez. Voilà, c'est nickel. Je viens de passer ici un petit coup de balai pour enlever le plus gros.
J'aime bien que ce soit propre. On aime bien que ce soit propre. Travailler dans un bâtiment propre, c'est toujours plus agréable étant donné qu'on y est 7 jours sur 7 en plus. Et en plus, c'est moins dangereux. Donc ici, c'est propre. Pierre arrive avec deux bottes de paille. On va étaler deux bottes de paille ici. On va pailler un peu les agneaux. Et on va remettre tout ce petit monde en place parce que ça commence à crier sérieusement étant donné qu'elles n'ont pas leurs agneaux. Allez, parti pour le paillage. Allez, on continue. Toutes les brebis, tout le troupeau est arrivé dans la stabu du milieu, dans les parcs du milieu. On a tout recasé là, tout est paillé. On a paillé avec deux ballots, comme ça on est tranquille pendant quelques jours. On fait un bon fond de litière. Et donc, les lots qui étaient dans les petits parcs se retrouvent ici. Voilà, avec toutes nos barrières là, de séparation, on se retrouve ici. Donc là-bas au bout, les 65 brebis agnelées se retrouvent avec leurs agneaux. Et nos deux autres lots, les plaines et les agnelages, les plaines pour l'agnelage de printemps et celles qui sont avec le bélier, se retrouvent ici. Et on a attaqué le deuxième parc. Je vous emmène voir ça.
comme vous venez de le voir, bon ça y est, sorti avec un godet. Ce parc-ci fait un mètre de moins que le parc d'à côté. Le parc d'à côté c'est une bagatelle à faire. Ici c'est vachement plus chaud parce que comme vous avez pu le voir sur les images, quand le godet est chargé, ça touche des deux côtés. Donc c'est pas le genre de parc qu'il faut curer après l'apéro quoi. Il faut être consciencieux, ça touche de partout, il faut vraiment faire ça, il faut vraiment être concentré sur ce qu'on fait. Mais bon, ça va le faire, on est déjà à une bonne moitié. Bon, vous voyez, je me trouve ici, on est presque au bout, hein. On va démonter cette cloison là. Et puis on va curer jusqu'au bout, repailler avec deux ballots pour être tranquille. Remettre tout ce petit monde en place, faire un petit peu de tri aussi dans les brebis qui sont prêtes à annuler dans le mois qui suit et celles qui seront plus tardives pour faire deux lots différents. Et puis on aura terminé. Allez, ben nous on continue ça et je vous retrouve à la fin. J'ai pas pu terminer la vidéo le jour même puisque on est allé chercher le tracteur qui était en concession pour l'installation de la rampe. Comme vous avez vu dans la petite vidéo d'hier soir, la rampe Pendislide est arrivée, donc je vous la présenterai la semaine prochaine ou enfin dans les jours à venir. Donc voilà, le fumier, on a tout mis au bout parce qu'ici c'était l'ancienne fumière, donc ça tombe bien, étant les barrières de dégel, comme je vous l'ai dit, on n'a pas pu transporter au champ. On a tout mis au bout du bâtiment, on a remis le matériel devant. Le 154 est crevé, on va s'en occuper dès lundi. J'espère que c'est pas trop grave étant donné que les pneus commencent à s'user un petit peu. J'espère que les carcasses n'ont rien. On verra, on essaiera de voir un petit peu ce que ça donne. Le rouge, bah, du coup, il est rentré de la concession, la rampe dessus. On va essayer ça la semaine prochaine. Et ici, bergerie. Voilà, tout est calme, tout est paisible, tout est propre. Voilà. On ne peut pas rêver beaucoup mieux. C'est reparti jusqu'au printemps, jusqu'à la sortie. Donc on est encore parti pour environ 6 à 8 semaines. Jusqu'au moins, je pense, 8-10 avril. Peut-être plus selon les conditions météo, parce que c'est pas parce qu'ils ont du beau temps et du redoux que l'hiver est terminé. Bien au contraire, on peut encore avoir du froid au mois de mars et même début avril. Donc tant qu'elles sont là, elles sont bien. On a du fourrage, on a tout ce qu'il faut pour les nourrir jusque le 15 avril, même voire fin avril s'il le faut. Donc rien de presse. Les litières sont faites, la bergerie est au propre. Voilà, j'ai encore à faire, peut-être de faire ce week-end, le tri. Parce que le lot d'ici, une grosse partie d'agnelage qui auront lieu dans plutôt 2 mois. Et dans ce parc-ci, il y en a une dizaine qui par contre vont annuler dans les 15 jours, 3 semaines à venir. Donc il y a du tri à faire pour faire un lot ici de 10-15 brebis qui vont annuler dans le mois qui arrive et de concentrer dans ce parc-ci toutes les brebis qui vont annuler à partir de dans un mois et demi, 2 mois et plus. C'est-à-dire des annulages plutôt mars, enfin à partir du 15 mars jusqu'au mai, juin dans les dernières. Donc on va trier tout ça parce que l'alimentation n'est pas la même. Donc on va faire du tri et réalloter tout ça pour terminer la saison hivernale. Bon, voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est calme, c'est propre. C'est reparti jusque la sortie des bêtes en prairie au printemps. Voilà, bon bah écoutez, on va rester là-dessus pour cette vidéo. La semaine prochaine, on va certainement attaquer pas mal de travaux de champs, épandage de lisier, épandage encore de fumier. Je vais mettre les engrais prairie céréales. Donc on aura matière à faire. Voilà, bah, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Allez, ciao, à bientôt pour la prochaine vidéo.